115 km/h. Ah, ça roule quand même. Vraiment, je fais le GPS pour voir. Parce que le Renault est pas très... Un peu au-dessus du 10 quand même. Ça monte un peu, alors je sais pas. Bon, bonjour à tous. Ça va se mettre? Bon, petite vidéo débardage. Allez, le cube taille devant. La débardeuse accrochée après. Ah, derrière. J'ai le porte-engin. On sort du bois, on cherche son porte-engin et à la maison. Le trafic. Fidèle au poste. 335 500 km. Pas mal, hein? Bon, on va suivre un peu tout ça. Bon, je vais le suivre jusqu'au bois, c'est pas loin. Le bois, il est là-bas, ici, là-bas. Là-bas. Ah, il y a peut-être, je sais pas, 1,5 km, y aller. Alors, je vais le mettre dessus le plateau, mais il a pas voulu. Il m'a dit, je vais y aller par la route, ça met 10 minutes. Un quart d'heure max. Moi, j'ai dit, vas-y, par la route, parce que ça te fait plaisir. Bon, après, c'est pas bon ce que le tracteur consomme. Alors voilà, bon allez, je vous reprends au bois, sinon ça va faire une vidéo de 20 minutes. Enfin, de toute façon, ça va faire une vidéo de 20 minutes. On a sorti une petite vidéo aujourd'hui, je suppose que vous l'avez tous vu. C'est de la regarder, c'est sur la limogène aquatique. On sort toujours nos petits blocos, on aime bien ça, nous. Alors bon, il y a un peu de tout, hein. Mais là, j'ai refait du débardage, allez. On s'est dit aujourd'hui, ça va changer un peu du date, sans faire un Kubota. Allez, je vous reprends au bois. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir une prise de vue, quand même. Aïe, aïe. Obligé de m'arrêter et tout, quoi. Bon, maintenant je mets plus la petite remorque, hein. Je fais tout avec le bateau. Ça va bien mieux. Bon, ça tire un tout petit peu plus dans les montées, mais à part ça, ça roule. GoPro 10. Ça, c'est de la bonne remorque, ça. Bon, le trafic, il a un chouïa léger, mais il arrive, il se défend. Il se défend. Bon, là la bête qui arrive. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Ah là là, on est sur le chemin des vibrations. Moi qui viens changer mes rotules de direction et mes bien-être, avoir plein de yeux pour mes routes techniques. Putain, fait chier. Bon allez, on est presque au bois, le bois il est là. Moi, ça fait même pas 10 minutes qu'on roule, ça va, c'est vite, hein. Panaché. Normalement on peut rouler si on n'en boit pas 50, mais ça rafraîchit. Bon, il arrive là-bas, il est comme Mirador. Vous avez vu les anciens comment qu'ils font? Regardez-moi voir ça. À chaque fois, ça doit être un ster, deux ster, deux ster, trois ster. Bon, je crois qu'il doit avoir 80 ster en tout, mais je suis pas sûr. Vas-y, je te suis. Enfin, je te suis. C'est loin à pied d'ici, hein. Ah, bah ouais, c'est bon. Ouais, bon, c'est bon. 500 mètres. Je sais pas. Tu peux voir les chemins qu'on a pris. Oui. Tu rentres là-bas, plus long. Ce chemin-là. Oui, on avance. Putain, je suis en short. J'espère qu'il n'y a pas de ronce. Je suis un peu en mode touriste aujourd'hui, on va dire. J'ai plein, moi. J'espère qu'il ne va pas faire trop chaud. Mais je crois qu'il va faire chaud. Allez.
là il fait chaud. Oh putain, il y a des moustiques. Oh putain, il y a des moustiques. Oh, ça c'est la merde. Il y a des moustiques. Bon, alors c'est plus long dans le bois que sur la route. On s'enfonce dans les profondeurs de la forêt. Ça va le faire, ça va le faire. Ça c'est vraiment au fond, fond, fond des bois. Ah la vache. Vous voyez, c'est sec. Kubota il fait pas de dégâts. On voit même pas qu'il passe. Ah. Ah, le camion aurait été plus long, on pourrait presque venir en camion. Ouais, ça vient bon. Je crois qu'on doit bientôt y être là, si ma mémoire est bonne. Parce que ça fait longtemps que je suis pas venu là. Oh putain. Oh putain, un tas de bois. On a le premier tas. Ouais, je pense. Vu les initiales, je crois que ça doit être ça. Je suis pas sûr. Alors, vraiment dans la cambrousse. Je vais me retrouver avec 50 tiques. Un gros pain ici. Hein. Et machin. Ouais. Il est énorme. Bon, il y a plus gros, hein. Mais il est déjà mal. Voilà. Encore un. Et ça, c'est sec. Hein. C'est en train de crever là-haut. Enfin, c'est sec. Je me comprends, quoi. Hein, c'est en train de crever. Voilà. Les gros freins, ils crèvent. Putain, une distance. Hein. Pas de truc de fou. Mais... Là, il faut déjà charger ça. Ouais. C'est quoi ça, la moitié de l'Inster? Inster. Ouais, Inster. Bon, on va charger ça. Oh, je suis mort. Putain, la merde, j'ai plus de batterie. 20%, bon, ça va le faire pour cette vidéo. Bon, ben voilà, un ster sur la remorque. Donc, on en met deux par remorque. Oh, c'est bien pour le Kubota, deux c'est bien. Bon, il pourrait tirer trois, hein. Deux c'est déjà pas mal. Hein. Après, la remorque elle est pas lourde. Voilà, puis bon, c'est du tilleul. Le tilleul il est pas trop trop lourd, ça va. Après, il y a du chêne, mais le chêne c'est pareil. Hein. Ça pèse pas grand chose. Bon ben voilà. Je vous ferai encore des rushs après parce qu'il faut que j'économise la batterie. Et je ferai une grosse vidéo parce que on va l'avoir toute la journée. Ça va faire de la vidéo. Voilà, voilà. Ah. Deux stères. Gros stères. Ça a l'air de beaucoup réfléchir. Ça fait 20 minutes qu'on y est là. J'aurais plus de batterie du tout. Non mais on verra après sinon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, celui-là il va être compris là. Là c'est pas normal, j'en ai chargé un là-bas. J'en ai chargé un là, ça fait deux. L'autre là-bas ça fait trois. Là j'en ai chargé un, là ça fait 4. Donc là-bas, 1, 2, 3. Ouais, celui-là il doit être compris dedans. Là. Il y a des moustiques dans le nez. C'est une horreur. Aussi grande que moi la remorque, putain. Il y a de la charge.
c'est qui va recharger une remorque? C'est nous! Si elle renverse, on va l'avoir en direct. Attends, mais encore celui-là dessus! On met encore celui-là par-dessus! On met celui-là dessus encore! Mais si, on le met dessus! Mais non, ça va y aller, ça! Il y a 15 bûches! Ça prend une super photo de couvre! Ouais. Dister à la Kubota! Je me suis mis là parce qu'il y a un trou, alors je me dis peut-être que. Je me suis mis là parce qu'il y a le trou. Alors je me suis. Oui, un trou là, oui. Je me suis dit peut-être que la remorque. Oh, même pas, elle tient. %, ça va le faire, ça va tenir. Je suis prêt à. Des fois ça. Ah, on aurait pu mettre le dernier ster qui restait. Faut mettre des roues jumelées. Ah ouais, j'y ai pensé, mais c'est vraiment. Ou alors. Ça fait quand même de belles vidéos. Avec le contre-jour. Ouais, je me parle à moi-même. Hein. Peut-être avec un peu de chance. Ouh, c'était pas loin. Allez, vas-y, à fond, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, deuxième gros voyage, très gros voyage. Là, il y a un peu plus de duster. Hein. Duster et demi. Alors, on met deux remorques sur le plateau. Regarde, on en a fait une tout à l'heure, j'ai filmé, plus celle-là. Et puis après, on recharge et on repart tous les deux à la maison pour décharger. Voilà, voilà. J'ai presque plus de batterie, je sais pas si j'arriverai à filmer le reste. Il me reste 8%. Je vais le recharger et puis je continuerai tout à l'heure. Prendre de côté si j'arrive. Voilà.
essayer. Elle est bien chargée celle-là. C'est pas de la ronque de chochotte. Enfin, c'est le problème, c'est que ça penche. On a essayé de mettre les roues à l'envers, mais ça va pas. Il faut ramener du rouge jumelé sur cette petite remorque. Parce que bon, vous voyez, c'est... si on la renverse, putain, il perd des bûches. Putain, j'ai même perché vers une bûche. C'est du direct. Ah bah ça va, c'est pris du mystère qu'elle a. Ouh, il fait chaud. Hein. Ah, là l'ensemble. Voilà. À tout à l'heure. On va pas y arriver. On va pas y arriver, c'est sûr. Ça vient de se décaler là de. Ça penche de plus en plus du côté que ça va tomber. Ah, ça se renverse, je me tape une barre. Enfin, je me tape déjà une barre là, c'est drôle. Ah, ça fait déjà deux fois que je la ramasse cette canne. Putain, je peux pas. Ça tient bon, ça tient bon. On va peut-être y arriver. Hein. Fais gaffe, elle penche là-bas. Hein. Elle penche par là-bas. Hein. Elle penche là-bas ? Oui. Ah,